Salut à tous, c'est Laurent pour un nouvel épisode. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment désactiver le Wi-Fi de votre box Orange. Cela va vous permettre d'éviter les ondes Wi-Fi la nuit pour peut-être un meilleur sommeil, mais aussi régler le problème de vos enfants qui surfent sur Internet à des heures très tardives. Donc je vais lancer un navigateur internet. Ici, je vais lancer par exemple le navigateur Microsoft Edge. Mais ça n'a aucune importance. Donc là, je vais venir dans la barre d'adresse. Hein, vous avez www.google.fr. Donc là, je clique dessus. Je vais taper l'adresse suivante: 192.168.1.1. Et je valide par la touche entrée. Donc là, j'arrive dans l'administrateur de la Lightbox. Derrière votre Lightbox que vous avez un petit mot de passe. Il va falloir saisir ce mot de passe qui va vous permettre d'arriver dans la console d'administration de votre Lightbox. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe, on va cliquer sur connexion. Donc là, on arrive sur le tableau d'administration. Donc là, je vais venir sur Wi-Fi activé. Donc je clique dessus. Ensuite, on va venir sur planificateur Wi-Fi. Donc là, on va venir sur personnaliser. Alors, vous pouvez avoir tout ce qui est mis par défaut. Hein, donc, Echo, hein, donc il va vous laisser le Wi-Fi le matin entre 7h et 9h. Et ensuite, il va le désactiver et il va vous le réactiver à partir de 17h jusqu'à 22h. Autrement, semaine. Hein, donc, désactiver de 0h à 17h, autrement les vacances, entre 13h et 22h. Et nous, on va aller dans personnaliser. Donc le lundi, à partir, moi je vais désactiver le Wi-Fi, entre 0h et 7h. Donc je désactive le... Voilà, et je vais faire pareil pour tous les jours de la semaine. Là, vous voyez, moi j'ai désactivé entre 0h et 7h du matin, mais si vous voulez désactiver un petit peu plus tôt, il faudra par exemple à partir de 22h, par exemple pour l'exemple, je vais vous désactiver entre 21 et 22h ici, hop, voilà, le lundi. À ce moment-là, je vais faire enregistrer. Voilà, et donc là, vous avez le planificateur Wi-Fi. Donc, si je viens dessus, donc là, j'oublie pas d'activer le planificateur, activer le planificateur, et je viens sur enregistrer. Donc, ici, il faut bien vérifier que le planificateur Wi-Fi et bien sûr on. Cette courte vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.